Salut à tous. Bonne réception ce matin et les gens sont conscients, ils sont inquiets, ils sont conscients. Depuis des années, le Front National demande la mise en place d'un capitalisme authentiquement français, de moyens financiers français, des fonds souverains, fonds de pension qui permettraient, comme aux États-Unis et dans d'autres pays du monde, effectivement de soutenir nos outils industriels. C'est vrai qu'il y a un problème de capitalisation en France, il n'y a pas de capitalisme français. Aujourd'hui, l'État peut tout de même lever la capacité de racheter 30%, 29% exactement de la part de Bouygues. La Caisse des dépôts et consignations a le moyen de lever ça. Je rappelle quand même que le coût de l'immigration en France, c'est 70 milliards. Le coût de l'insécurité, c'est 115 milliards. Si on fait les totaux de tous ces coûts, évidemment, on voit bien que l'État, s'il était bien géré, pourrait lever les fonds nécessaires.